Voilà, vous entendez la musique, bonsoir à tous, c'est la voix de Técamon, et enfin, enfin, comme le titre du live, enfin, peut-être, For the King, ce soir 2, en mode multi, je ne sais pas. On a fait un premier test, on a angoissé, bonsoir Papa le Bator. Hello. C'est bizarre, on avait fait un test dans la semaine, ça marchait bien, tous les deux, et t'as pas réussi à nous inviter. Ouais. Ça me fait peur. Là, ce soir, ouais. On va voir. Ça va être le live de la mouise, peut-être. Bonsoir à Weirdo qui a pédalé pour nous retrouver. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que ma voix n'est pas trop forte. Et bien sûr, l'érudit du groupe, la cervelle de la team. Bonsoir, Joseph. Bonsoir. Ah, bah, je m'adapte à ton perso. Oui, bah, attends, je suis pas sûr de rester. Je suis en train de. Voilà. Ce que je vous propose, on a choisi nos classes. On customise. Quand vous êtes prêts, vous nous dites. On va lancer la map, et si on y arrive tous les quatre sur la map, je lance l'intro du jeu. Ça vous va? Attends, j'ai pas choisi, moi, pour l'instant, vous avez choisi, vous? Bah, oui, chasseur par défaut, non? Papa, ouais, tu joues quoi, moi, toi? Moi, j'ai pas choisi, je suis en train. Ouais, justement, on se demandait... C'est quoi le garçon d'étape, du coup, tiens? Information de classe, regarde. C'est un manant. Tiens, ouais. Petit sac à dos. Travail acharné. Voilà. C'est un petit travailleur. Ah, c'est même des indigents, ils n'ont plus accès à leur ferme. Quelle mouise. Ouais, allez, je vais faire forgeronne comme ça, je vais un peu grandir. Je vais modifier un peu quand même. Moi, je vais jeter des sortilèges. Je sais que t'aimais bien ça. Oui, ça c'est pas mal. Ensuite, je vais rester sur le chasseur. J'aimais bien cette classe de noob. Après, est-ce qu'on peut changer un peu le look? Est-ce que je peux être une girly pour changer un peu? Il y a beaucoup de mecs dans ce groupe. Et bonsoir à toi, Ectoplasme. On recommence. Excuse-moi, mon cher Weirdo, je t'ai coupé. Ah non, non. Salut, Ecto. Salut. Bon, faut que je me trouve à look. Moi, je ne peux pas sélectionner l'objet, là, c'est pas grave. On croise les doigts que ça marche ce soir. Ouais. Oh, j'aime bien en bleu, attends. Je suis aléatoire, donc garçon ou fille, si j'ai le prochain bleu. Voilà, alors For the King. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai supprimé mon perso. Le misclic. Oh finesse. No. Au secours. Oh, non. Ah, mais non, mais pour changer son look, faut cliquer sur le crayon, faut faire le D. Voilà, validé, Técamon, chasseur. Weirdo en pirate, c'est pas mal, hein. Franchement, joli look. Hein. Allez, je vais faire une belle blonde. Et moi, je fais les primes écrans. On est parti pour la soirée dans la joie. Et le tech est prêt. Pour info, l'intro, quand je la lancerai, ça va durer 50 secondes. C'est énorme. Tu peux y aller, alors, le temps que je me décide sur ma couleur de jeu. C'est vrai. Bah écoutez, je vais couper la discussion des copains et je vous lance le jingle, à tout de suite. On y croit. The King 2, ouais, on revient. Excusez-moi, je vous ai coupé les copains. Et re sur Twitch et bonjour à YouTube. Tout le monde est prêt? Oui. Premier épisode, et c'est là qu'on voit si ça marche. Vas-y, Weirdo, maître du jeu, lance la game. Ah non, il faut choisir ce qu'on veut au départ. Faire nos courses. Alors comment ça se passe? On a 5 points. La barbe dieu. Alors c'est qui utilise la barbe dieu? C'est le soigneur. Est-ce qu'on a un soigneur dans le groupe? Ah, moi, je suis herboriste. Ouais, ça peut. Donc je pense que je... La Panax, plante guérie du poison, ouais, j'en ai pris une. Prends un allume-feu. Qu'est-ce qu'il pourrait être un allume-feu? Distance de détection. La longue vue, c'est pas mal, c'est 3 points. Prendre la à dépenser, j'en ai que 2. Ah non. Ouais. Ok. Donc, gants légers pour la critique, je prends. Ouais. Bon, 3 points de concentration. Ça, ça me plaît bien. Et immunité au piège, je prends. Donc, moi, ça y est, j'ai déjà fait mon choix.
où est-ce qu'on voit nos points restants? Attends, parce qu'il y a aussi les armes. Ouais. T'inquiète, les armes, on trouve pas tant que ça. Hein, mais... Ah ouais, ok. Et là, il faut cliquer sur quelque chose après? On découvre. Voilà, hein. Mais c'est l'enfer. Ah, faut cliquer sur le rouge, d'accord, je suis prêt. D'accord, ok. Ah oui, ça dépasse en plus le truc. Ça dépasse. Ouais, bah là, ouais. De ouf. Et bonsoir à Monsieur Battement Brut qui passe. Tu vas bien? Salut. Tu vois, mon cher Battement, on insiste sur un vieux jeu qu'on aime bien, et c'est la version 2 de For the King, et on n'est pas encore sur Lidl Company, mais on y viendra. Je suppose que dans ton équipe à toi, vous avez déjà commencé ce petit jeu, peut-être. Tout le monde est prêt? Go. Bah ouais, ah ouais. Go, Weirdo, go. Écoute, ça va bien, ça va super bien en repos. C'est tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a un F12 à faire pour mettre le jeu en grand, c'est ça? Pourquoi? Tu l'as pas en grand, toi? Non. Dans tes options graphiques. D'accord. Alors, la résistance, j'ai pas lu. Voilà. On est tous les quatre dans le bourg, ça marche. Ça a l'air. Mince alors, voilà une éternité que nous n'avions pas accueilli d'aventurier, super. En attente de joueurs. Tout le monde a la map? C'est bon, j'y suis aussi. Ah, pourquoi c'est en attente du joueur? Je veux croire que 20 années se sont écoulées depuis la guerre du chaos, c'est pas vrai? Ben si, c'est vrai. Même ce cornichon de Vexor me manque. Croyez-moi, c'était un angelot à côté de ces maroufles qui se coltinent tous les jours. Oh. Ah, c'est sûr. Quelle calamité. C'est pas du Baldur Gate 3, mon cher Battement. Ah bah non, ça. C'est du old school. Je préférerais encore que le ciel me tombe sur la tête. On est toujours avec Farul. Je ne sais pas vous si vous êtes au courant, mais Farul traverse une mauvaise passe. J'adore quand notre bras. Ah oui, il a besoin, il a besoin ce soir. Je vais te susurrer à l'oreille. Ta brave reine Rosemont est partie en vrille. Voilà, c'est vas-y. Ça y est, c'est fait. Ah oh là là, nous autres petites gens, on vit dans la terreur. Notre reine était pourtant si gentille autrefois. Autrefois. Oh, ouais, bah Wardo, tu vas lire. Hein. Allez, Wardo, à toi. Je garde. C'est pas mal, là. Allez. Pendant que je sirote du jus pétillant et jaune. Si vous êtes là pour aider. Ça, j'ai perdu 50% de mes followers. Ouais, c'est pas faux. Ah, merci, la sonde. Elle a changé, de garde, elle a changé. Allez, si vous n'êtes pas là pour aider, venez me retrouver à Pran. Et pas à Pan. Je vous dirai tout ce que je sais, ça ne devrait pas être trop long. Oula. Venez me retrouver à Étrangle Chèvre. Voilà. Et je vous dirai tout ce que c'est je sais. C'est du GeoGuessr Gaming. Eh ben, le maître du jeu clique sur en attente de joueurs, comme ça on sait qu'on doit aller là-bas. On doit aller à Pran. Garde un œil sur le minuteur là-haut, il ne doit pas atteindre zéro. On a un minuteur. Là-haut. Ouais. Allez, des points de mouvement, t'as acheté des. Vas-y, allez. Papal, prends cet attribord. Oh, et le jeu est en Azerty. Le jeu est en Azerty. Alors, il faut cliquer sur la ville Bourofren, peut-être, quand on a la main. On peut inspecter Bourofren, si on... Voilà. Donc, c'est un jeu, vous payez un peu plus cher. Vous avez la joie d'avoir du For the King 3D. On était déjà en 3D avant, n'est-ce pas? Il n'y a rien au marché, on n'a pas d'argent. Bon, bah, on bouge. Enquête! T'as pris des sous, toi? Moi, j'ai pris de la thune. Des pépettes. Donc, faut qu'on aille à Tribord. Ouais. Mm-hmm. Il y a un petit lutin en bas. Allume-feu. Un arc embrasé. Alors, la nouveauté de For the King 2, c'est qu'on peut jouer à 4 au lieu de 3. C'est surtout pour ça qu'on l'a pris. Voilà. Il y a une quête là-bas. Ouais. Tu es le maraudeur pirate, c'est ça? Ouais, on va en bas? Bah oui, vas-y. On va se rapprocher en groupe pour attaquer. Ouais. C'est tout? Tu vas doucement, hein? Ah mais non, on peut pas passer par là. Fuck. Ah bon? T'es bloqué par les rochers? Ouais, les arbres sont de bloc. Ah ouais? Super, merci de... Ouais, merci. Oh, voilà. C'est dommage. Les petits cochons, là, non je... Disons, le brouillard de guerre, et pas de guerre, est épais. Hein.
Allez, fin de tour. C'est à Osef. Allez, tu as jeté tes dés. Bon, bah, je m'approche du petit lutinou, là, pour redescendre. Mais du coup, j'attends pour engager, si j'ai bien compris, la strat. Yes. Ouais, alors, pourquoi on aime ce jeu? Bah, il faut savoir qu'on a fait pas mal de séries dessus avec Weirdo et Papa le Batteur. C'est notre jeu du dimanche soir. Et il y a un mode... là, on a pris le mode campagne, en fait, sur une map. Mais il y a un mode donjon où on essaie d'aller le plus loin possible en combat. Ce qui est assez sympa. Mais il faut le débloquer, a priori, là. C'est vrai? Bah, c'est ce qu'on va faire ce soir en live. Non, ça m'étonnerait. Je crois que c'est le chapitre 5. Ah bon. Alors, est-ce que le premier jour. Combat vous inclut tous? Non, il faut être proche. Non, c'est tout. Ouais, faut que tu restes prêt. Tu veux taper quoi, le lutin? Ouais. Ouais, bah. Faut aller plus loin que moi. Sinon, que autres, rapproche-toi du maraudeur pirate, sinon. Ouais, c'est ce qu'on vise. Il est où le maraudeur pirate? Un peu plus bas, faut que tu passes où je suis, tu vois, pour contourner. Voilà. Oh! Qu'avant de là, découvrir quelque chose. Tu peux aller au bassin enchanteur si t'as des points. Une forme... ça? Ouais, apparemment, ouais, une forme pratique de voyage. En découvrir deux pour pouvoir se téléporter de l'un à l'autre. Genre. D'accord. Donc là, si vous voulez, on est obligé d'attendre Papa le Bator, puisque. Voilà. Bah oui, parce qu'il est un petit peu. Alors, Bourofren, tu disais que. Les services, on a l'auberge, on a la méditation, guérisseur, c'est pour soigner et tout. Je me fais un rappel. Ok, le marché, t'as dit qu'il n'y avait rien, on n'a pas de sous. Oh, il faut falloir acheter des pipes pour se soigner. Et ça, c'est important. Combien ? Cher, 50. je passe mon tour. Je suis poli. Bon, en tout cas, je suis content parce qu'on a passé un live l'autre fois, une heure à essayer de jouer en multijoueur. Il a fallu que... Ouais. Et le développeur a dû faire quoi? Un fixe de 53 kilooctets pour corriger le problème. Incroyable. Non, toujours pour de vrai. C'est beau. Normalement, je devrais être dedans, là, non? Oui. Pour le... Ouais, tu peux même engager le... Ah, quoi que non. Je peux pas, j'étais à zéro. Ah ouais. Tu peux regarder, là, du coup, Zef, si ça intègre Pibel, Papal, ouais. Oui, c'est bon, là, on y est tous. Ah bah, go. Ah oui, le petit lutin. Ah bon. Premier combat! Allez, embuscade, t'as des points. 42% de réussite. Oh, allez. Oh, dis donc, le lutin, il a été à la salle là! Ah, c'est vrai qu'il est un peu musculeux! Bah, tu vas voir. Bon, il est tout seul! Ah, il est tout seul, ouais. Oui, oui, bah du coup, on va y aller, hop. Voilà, Osef, la nouveauté, c'est que maintenant il y a deux rangées de combats aussi. Pardon. J'ai voulu l'écraser et ça fait. C'est à qui là? C'est à moi? Ah, ok. Alors, il faut viser la personne. J'ai rien fait. J'ai pas choisi mon truc. Non, faut le viser après. Ah tu choisis d'abord et tu vises après. C'est bon, en l'occurrence. Et pourquoi c'est moi qui prends des nions? Combien? 7 points dans la gueule. Parce que j'ai pas provoqué, je pensais l'écraser dans une fois et j'ai pas réussi. Allez, Papal, vas-y. Ben normalement, tu le gardes. Voilà. Victoire! Oh, c'était mérité. J'aurais peut-être pu en profiter, tu vois, sur un combat comme ça pour se placer, se positionner. C'est vrai, on y viendra. Bon, chasseur, je suis toujours derrière. Oui, d'accord. J'aime bien. Merci d'avoir participé. Un lutin. Du coup, je vais garder l'or. Mais non, partage une pièce chacun. Bon, moi, montre les dégâts physiques de façon permanente. Ouais, c'est pas à moi que c'est le plus utile. Hein. Si, c'est pas mal. Hein. C'est pas plus mal. Chasseur. Bah, c'est ouais, un gros DPS ouais. Physique. Tu es quelle classe, Verdo? J'ai oublié. Moi, je suis herboriste. Ah oui, d'accord. Donc, c'est plutôt toi, en fait. Merci. Ok, on va augmenter la puissance. C'est mes critiques. Alors, du coup, c'est Verdo qui est maître du jeu. Il faudra qu'il ne perde pas la sauvegarde pour le prochain let's play. Hein. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais, Verdo? Est-ce que tu vas vers l'objectif, le maraudeur pirate? Ou est-ce que tu vas aller voir le pickpocket qui a tout piqué? Alors comment je clique pour inspecter s'il y a tout le monde? Je clique dessus, c'est ça? C'est-à-dire que si tout le monde est inclus dans le groupe, je pense que oui. Ouais, ouais, c'est bon. Oui, c'est... On est en rouge tous. Ouh, alors là... Ils sont un peu nombreux. Qui est-ce qu'on focus? Qui est-ce qui tank? Le bombardier, voilà. Il va être chiant, mais je le sens, il va faire des AOE peut-être. Oui, le bombardier va faire des AOE et puis il va nous enflammer. Alors, bombardier? Il a pas de bouclier donc j'ai pas besoin de faire perforation, je garde le tir. Je mets pas de. En plus, il joue en deuxième. C'est qui le premier? Ouais. Oh la vache! J'ai fait un critique. Il y a pas eu un ralenti là? Si, si.
Et en fait, quand tu fais un critique, il y a un effet de ralenti. C'est bien. J'aime ça. C'est moi quand même, c'est... Alors... Oui. Faut suivre en bas le nom qui joue. Ça vaut pas vraiment le coup que je fasse une explosion de zone. Ils ont tous bouclier autrement devant. Je vais maximiser les dégâts. De toute façon, va probablement jouer, on n'arrivera pas à la tuer. Donc, Il encaisse. Hein. Pourquoi mais je me rappelle plus comment on se déplace d'abord. Ah non, c'est pas de ça, toi. Tu peux cliquer sur le carré peut-être. Ah, c'est Weirdo d'abord. Alors moi, je comprends pas encore. C'est quoi donc le rose, c'est la vie, c'est ça? Oui, okay. Au max, ouais. Je vois où les dégâts que je peux faire, c'est en leur cliquant dessus. Tu as non, oui, non, oui. En fait, à droite. Sur ton sort dans la liste en bas à droite. Ok. Ok, 3 à 7. J'y vais pas loin, c'est devant lui du coup. On a du mal à le tuer, hein, on est faible. On va se prendre sachant qu'il a une résistance à la magie. Oh la vache, 10 points de vie. Ah, t'as pris cher quand même. Ok. Ouf, ouais, moi je vais me déplacer, il faudrait groupir les gens comme ça. Pourrait provoquer peut-être un peu plus. Un cran à gauche, ouais. Pour bien bloquer tout le monde. Non, t'es bien là. Oui, bah oui, remarque. déplacement, je vais juste me décaler d'un truc comme ça. Ouais. Voilà, et tu. Non en... Merci. Tu veux qu'on échange on échange, hein, Papal. Mais lui, il a de l'esquive. Oui, voilà. Ah, c'est plus Weirdo qui devra se rapprocher. Non, mais en protection de celui devant celui qui a de l'esquive. Bah, ça protège plusieurs. À moi. Est-ce qu'on peut changer tous les deux? Non, on peut pas changer de place tous les deux. Je parlais que sur le place libre. Tu veux que je me décale, Papal, faire plus vers Weirdo? Non. Bon, par contre, il m'embête, lui. Clic droit, je mets un point de concentration. Allez, c'est le seul qui peut nous soigner. Il faut nous finir le bombardier. Alors, je veux bien vous soigner, mais vous me montrer comment. Ah, j'ai du mal. T'as pas de sort de soin. C'est pas sûr que t'aies des sorts de soin. Bah, ça dépend de ce que t'as. Je comprends pas encore comment fonctionne. On va apprendre, c'est ça qui est marrant ce soir. Équiper une arme, guérison. Ouais. Faudrait que tu te soignes toi en premier, je pense. Tu vas mourir. Alors, attends, j'ai guérison. Est-ce que ça me soigne moi ou vous? Essaye. Ça dépend, tu focus après en fait. Tu sélectionnes d'abord. Guérison, guérison, c'est pour soigner un poison. C'est ouais, pas c'est, pour ça redonner des points de vie. Ouais, il y a que l'herbe qui va soigner le. Par contre, quand toi tu utilises une herbe de barbe de dieu, ça soigne tout le monde. Ouais. C'est là que ça vaut le coup. Puisque et t'es herboriste. Sachant qu'on a tous pris des coups quand même, c'est pas mal. Hormis Papal, vous l'aurez noté. Puis il a plein de PV. Ouais. Enfin, moi je vais défoncer celui-là. Bon, les magiciens, c'est toujours des sacs à PV finalement. Oh là, c'est qui le fouet? Aïe! Purée! Bon, ça marche bien! Au même. Secours! Quelqu'un! Du coup, j'hésite, est-ce que j'en assomme un? Ou est-ce que je. On n'avait toujours pas viré ma voix de la snowboard. Par exemple, moi, ma provocation, où est-ce qu'on voit la durée? Ah, t'as pas duré, c'est pour un tour, hein? Tu as l'effet qui est autour de toi, en fait. Bah ouais, je sais, il est toujours justement, mais donc je c'est sais bon. Pas combien de tours il veut. Bah là, c'est encore bon. Raclée, étourdissement, je vais peut-être en taper un. Lesquels qui font du mal, un peu le maraudeur. Je crois que c'est sur ton profil en bas à gauche. En bas à gauche. Il me semble. Je vois rien. J'ai 14 d'esquive, moi, dis donc, je suis bien. Il va. Ta provocation va. On verra le matos après à l'inventaire si on survit à ça. Je rappelle, on a tué un, mais on est mal en point. Ouf, tranché en deux. Adieu, Weirdo. Oh, hein. La vache de Weirdo. Faut que tu te soignes, Weirdo. La barbe de Dieu, t'hésites pas, vas-y. C'est au tour de Técamon. Alors, lequel on poutre? Je suis le sniper. Après aussi vite, hein, donc. Weirdo. Autant focus, toujours le même. Non, mais attends, tu veux, je vais te dire un truc. Ouais, je vais me décaler. Ils sont trois, hein. Comment on fait pour se déplacer? Oui, par contre, on peut pas se déplacer? Je sélectionne la case à côté de toi. Ouais, je fais. Clique sur déplacement d'abord. Déplacement, tu le vois sur quoi? Ah oui, d'accord.
C'est pour toi, il faut que tu viennes derrière Osef quand même. Le bandit ou le maraudeur? Je sais pas si t'as bien fait de te déplacer, parce que si t'es ciblé par une attaque de zone, lui va prendre un effet collatéral. Perforation. Oh, la provoque, elle est terminée, je l'ai relancé. Oh la vache! Pas grand chose pour lui. Ah, c'est pour Weirdo s'il peut se planquer derrière Osef. On va voir si je me trompe. Je crois qu'il peut se déplacer que d'une case. Oh, mais moi je vais me soigner, hein, c'est bon. Bah alors c'est pas mal qu'il va se rapprocher derrière Osef. C'est du JDR old school et on est bien ensemble. On se fout. Ça c'est joli. Mais c'était un petit peu vénère quand même pour débuter. Comment j'utilise double clic? Tu sélectionnes, je crois, et après tu cliques sur quelqu'un du groupe. Et alors, en réalité, si tu regardes dans tes actions, tu as une action qui est en losange et une action qui est en carré. L'action losange, je crois que c'est l'action principale. Si tu l'as fait, ça va terminer ton tour. Et l'action carré, c'est une action bonus. Ok. Donc, si je veux me soigner, il faudrait que je... si tu veux te soigner... il faut que tu utilises un objet qui est dans ta barre en bas. Ouais. Tu cliques sur barre de Dieu. Je clique dessus, mais rien ne se passe. Ah. Tu cliques après sur quelqu'un, sur toi. Et ou si, sur quelqu'un si tu doubles le clic dessus. Merci. Comment ça que j'étais soigné en même temps que toi? Ah si. Non. Non, mais non, j'ai bah pas non. Fait. Mes points de vie n'ont pas changé. Donc guérison, c'est autre chose, en fait. Pourtant, il a fait plus 16. Ah, ça y est. Ah, c'est pas du temps, en fait. Okay. Ah oui, voilà. Le jeu bug, là-dessus ouais, aucune ouais. Idée, hein, c'est notre première partie. Oh là là, Osef, ouais, ça va. Comme ça, on pourra donner un avis à tous ceux qui sont intéressés. Le soin d'équipe, il ne fonctionne que autour de lui, sur une case. Oui. Il faut qu'il se mette derrière Osef. Toujours derrière le tank. Bah, là, je vais me déplacer, du coup, juste devant Weirdo. Oui, parce que je le sens mal. Et c'est bien que d'une case, ok. Oh, c'est bien. Tech, à mon avis, toi, Tech, tu peux passer en première ligne. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. Parce que tu vas focus l'esquive. Mm-hmm. Et donc, ça peut trigger... Je suis d'accord. Je vais mettre un bouclier char à canon. Je vais peut-être... Moi, je vais me déplacer. Plus faire une provoque, parce que vu que j'ai pas... Ah, quoi que si, on va... De mémoire, le marteau, tu fais quand même pas mal de dégâts. Ouais, mais tout à l'heure, je l'ai raté. Je rate souvent. Oh, punaise, trop Déplacement, hop, on valide. Et on va focus celui-là qui a un bouclier bleu, donc perforation. On va être au moins un point de concentration pour faire quelque chose. Oui. Critique. Ouais, mais pas assez fort, hein. Une fois meilleur arc. Heureusement qu'on a baissé la musique, hein. Elle est très épique. Allez, Anaou, Erdi. Ok, Weirdo, si tu peux te déplacer derrière Osef. Non, t'es bien finalement, j'ai dit. Je suis là. Non, faut qu'il se mette derrière Osef. Là, sinon, il me touchera pas, par exemple, si le moment où il devra me. Ah oui, le soin, ouais. Ah oui. En plus de ça, Osef ayant inébranlable, si une attaque cible Weirdo, Osef va l'intercepter. Oh, bien. Et c'est clic droit pour concentration. Oui, c'est ça. Et là, t'as tout le gameplay. Faut juste tenir, hein. Je crois que le level up va nous heal. Ouais. On en est où dans l'XP d'ailleurs, comme on voit? Du coup, je vais lui en foutre une, hein. Je pense. Bah, quand même vu tout ce qu'il y a, à mon avis, on va level up. C'est comme c'est le premier niveau. Ah, ouais. La claque dans ta tronche. Il nous reste plus que le chef. Et du coup, bah, perforation, j'ai pas le choix, c'est pour casser. Oh, il m'a bloqué. Ouais.
sens que mes derniers sorts sont... Ma dernière heure est arrivée. Peut-être. On a droit à combien de vies? T'avais pris 6 vies, Weirdo? Allez. Faut tout y mettre. Hein. Ah bah voilà, c'est la magie qui l'a terrassé. Premier vrai combat. 28 pièces d'or à partager. Une épée royale. Non. C'est un poignard. C'est pour qui ça? C'est pas mal pour un chasseur. L'arc il casse facilement au cas où, je préviens. Ouais. Non, puis moi je suis à 2-6 et là ça fait 0-11. Ouais. En attendant d'avoir mieux, pourquoi pas. L'arc il est pas fragile. Non, il est pas fragile. Moi je l'ai pété au bout de 3 combats le mien. Pas possible, non, t'as pris un épique. Non, t'as dû prendre en fait un arc fragile. Il a une caractéristique fragile. Ah, ça me dit rien. Bah peut-être, ouais, c'est possible. Bah si personne n'est intéressé, je teste l'épée du coup. C'est un test de force. Ah oui, non, ça m'intéresse pas. Moi, je suis plutôt. Il vaut mieux la passer à Osef. Elle pourra faire des dégâts avec. Tout en conservant son bouclier, je pense. Ça marche. Oui. Et en. Allô? Ah, écoutez, je crois qu'on a perdu la voix. Tiens, j'ai perdu ta voix. Je t'ai pas entendu pendant quelques secondes. Pareil. Ouais, moi aussi. Carte au trésor. Ouais. C'est Discord qui fait des soucis ce soir. Ouais. À un moment où je vous ai plus entendu non plus tout à l'heure. Ah bah tu vois. Alors la carte au trésor, bah ça faut prendre pour tester, pour trouver un trésor sur la map. Boum. Et vas-y, c'est tout. Oh le trésor, il y a le coffre qui peut nous attaquer, cela dit. Je vais passer, je vais passer. Oh. Non, je déconne. Oui, je me suis. Allez. Encore 10 pièces, tout ça pour ça. Alors, gants d'arbalétrier, armure, dégâts d'attaque. Je sais pas, c'est arbalétrier, je suppose que c'est plus mieux pour toi. Ça fait attention, ça fait une régénération de plus 1 point. C'est pas moche. Hein. Je pense plutôt qu'il vaut mieux les donner à Osef, elle en a pas pour l'instant. Oui, puis moi j'ai des critiques sur mes gants, j'ai pris ça au départ. On va pas pouvoir le passer, si c'est comme avant, on peut pas le passer jusqu'à l'infini, si ça revient au début. Ouais, donc il faut que tu le prennes et tu le passeras à Osef via l'inventaire. Oui, tu peux donner. Yes, vitesse. Vitesse, il vaut mieux donner à l'arche, peut-être à Weirdo en réalité. Mm-hmm. Quoique non, de toute façon, non, Weirdo il va être en... Il vaut mieux donner à l'archer. Mon précieux. Résistance. Oui, résistance au choc, ouais. Pareil. Osef. Équipé, direct. Ah, voilà. Tu vas le chercher dans ton sac à dos. Histoire qu'elle puisse résister un petit peu au sort, là. Alors. Oui, un petit campement. On n'a pas level up. Non. Faut qu'on fasse un petit campement, je pense. En faire un, j'en ai deux, si vous voulez. Ouais. Où est-ce que tu vas le mettre? Je sais pas, vous êtes où? 1, 2, 3... Alors, Weirdo, t'as deux camps, allume-feu, t'as un barbe-dieu. Et je demande à l'XP, elle est pas folle, hein? Il faudrait que je me déplace, de toute façon. Et on a la barre si on suit juste de personnage d'XP. Ouais, ça monte pas. De toute façon, c'est Weirdo qui joue, là. Ouais. Faut peut-être remonter un peu, parce que là, on va se prendre des méchants un peu violents, je pense, pour le moment. Il faut qu'on aille vers Pran, je vous le rappelle, de toute façon. Oui, mais il faut qu'on les veuille, enfin, faut qu'on fasse un peu d'XP avant. Ouais, bon, mais là, ils étaient vénères, cela vaut mieux prendre des... Ouais, mais ça, c'était une mission. C'était la mission bonus. D'accord. Vous voulez le pickpocket, du coup? Ouais, j'ai pas... Je pense que c'est une bonne idée. Mais, PV. On a plus de PV, quasiment. Oui, mais là où est Weirdo, on va poser un feu de camp. Oui. Bah, je me mets avec Weirdo parce que tu es loin, papa, j'attends que tu viennes. Et quand tu passes le tour, j'ai gagné 2 points de vie. Ah. En tout cas, le jeu est beau, ça change. C'est beau, ouais. Oui. Sur le niveau gameplay, pour l'instant, il faudra voir ce que ça donne. Mais... Ouais, faut arriver à se mettre... D'ailleurs, devant nous, c'est quoi? C'est une maison étrange, hein? Le camp sécurisé. Ça, c'est pour nous. L'inventaire. Et moi, j'ai récupéré tous mes points de vie. Attends, je vais équiper mes trucs. Équipé. Ouais, ça va. Le gant équipé. Ah, c'est une taverne, engager le combat. Sniper gobelin, il y a un sniper. Mais elle est verrouillée pour l'instant, on ne peut pas engager le combat sur la taverne. Du coup, un dodo.
Enfin, il y en a le chrono du coup là-haut. Bon, bah, on verra comment ça se passe. Weirdo, tu te reposes aussi, je suppose. T'as plus de points de vie. Je vais en profiter pour faire une méditation aussi. Juste se reposer. Hein. Acheter des choses sinon. Aussi. Méditer, c'est quoi? C'est pour regagner de la concentration. Se reposer, c'est pour regagner des points de vie. Méditer, c'est pour regagner des points de concentration. Ouais. Ça marche. Le choix est fait. Du coup, c'est pareil, il y a des quêtes aussi. Et bonsoir à toi, Starwood, bienvenue sur For the King 2. Voilà. Ça marche enfin. Les deux mobs qui étaient là, ils ont disparu. Ouais. Ah oui, on a dormi. Mais moi, c'est bon pour moi. Est-ce que je recommence? Là, il y a le rat là-dessus. Ah bah, on y va. Vas-y. Il faut qu'on tape les bêtes. Oh, le cri du rat. Oui. Alors là, Osef va tactiquement se mettre devant Weirdo. Pour qu'on ait un soin de groupe. Ah, même pas. Même pas. Après, si, c'est horrible. Ah, il va bouffer qui? Le gros bourrin. Moi, j'arrive à faire un blocage, moi. Eh ben. Et moi, je vais faire un tir de. Ouf, sans concentration, on va garder. Voilà. D'ailleurs, j'ai même pas vu notre sac à dos pour l'équipement. Fleur des harpies, c'est quoi, Fléau? La flûte des amis. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, mais ça, peu importe. Là, celui qui a bugué, qui est sous une malédiction trop embêtante, on lui passe. Ouais, donc, ouais. Peu importe qui c'est qu'il a. Ouais, bah, tu ramasses. Tu ramasses. Je passe. L'herboriste, il va garder. Je gère pas les fleurs. Je gère pas, c'est pas mon. Vas-y, l'herboriste. C'est ton taf, Weirdo. Allô, Weirdo? En fait, ça, j'en récupère. Oui, 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 oui. C'est prendre. Quand quelqu'un sera infecté de malédiction. Voilà. Donc, moi, je reviens sur la question, comment voir son inventaire? Si je clique sur mon personnage. Le petite sacoche en bas à droite, tout en bas, ouais. Au bout de la barre. Ah, je la cherchais depuis tout à l'heure. Ouais, c'est pas très. Ah oui, je suis vraiment équipé de l'épée royale, d'accord. Tout de suite, mais je pense que ça va venir assez vite. Du coup, je monte, tu fais quoi? Je vais voir le pitre. Je pense qu'il vaut mieux qu'on descende, oui, qu'on explore un petit peu en bas. Vers le bas? Autour, ouais, autour de la taverne qui est là. Je sens réaliser que Weirdo, il a une béquille comme bâton. Bah là, tu vas dans un cul-de-sac, je crois, vous avez fumé. Pas grave. On peut contourner, je pense, de l'autre côté. Ok, c'est parfait. Je sais pas. Je me suis retrouvé coincé au-dessus, moi, donc je me méfie. On va où, là, du coup? Je pense explorer les quelques cases qui sont là. Ouais, on a l'air d'être contre une montagne, là, en bas, ouais. Ouais, du coup, remonte un petit peu. Voilà. Ah, remontez pas. Ouf. Surprise. Allez. Ah oui, bravo. J'ai de l'intelligence. Jolie robe pour un érudit. Et il me semble que tu fais des tests de l'intelligence, toi. Alors là? Oui, c'est ça. Oui. Hein. Ah. Allez, passez le tour. Ah, ça y est. Joli. Hop. Alors tu vois en bas, il y a des cases avec un point d'interrogation. Ah oui, t'aurais voulu. D'accord. Quand tu les découvres, tu peux potentiellement trouver un truc dessus. Ah, un mendiant. Voilà. qui te dit, je peux t'emprunter 6000. Peut-être que tu recevras quelque chose en échange. L'entourlooper gobelin, mince, oui, je suis monté trop haut. Il n'y a que Weirdo dans le. Ouais, on va redescendre si tu veux, faut juste fouiller les autres cases. Donc c'est des tavernes, et ça c'est un ponton de Richebois, d'accord. Oui. Papa a la technique une case à la fois. Oui, bah oui, ça me permet de choisir les chemins. Ouais, bah ouais. C'est vrai. Je vais me la mettre là, c'est plus polyvalent pour joindre des combats que vous feriez. Oui, vous ferez un clip hein, hors contexte, c'est intéressant ce qu'il vient de dire. Ouais. Là, voilà, c'est ça. Allez, go.
Ben, j'avance, moi. J'avance. Tu crois? Ouais. T'es un peu statique. Là, voilà, je suis contente. T'attaques, ouais. N'attaque pas, le tour looper gobelin. Je suis pas dedans. Je suis trop à droite. Ah oui, faut que je redescende. Ouais, je suis désolé. Ouais. Ça sera le prochain qui ira l'attaquer. Ça marche. Du coup, ouais, je suis plus éloigné. Tu peux descendre, Boulardo, tu peux aller rejoindre des mondes. Non, tu gagnes des PV si tu passes ton tour. Si jamais t'es pas full PV. Tu vois que là, il y a un autre biome sur la droite. Ouais, ouais. On découvre. Il y a des cris aussi. Ouais, tu t'éloignes trop, Boulardo. Faut que tu reviennes. Si tu veux pas faire l'entourlooper. Un Discord. Hein. Ah ouais, bah ouais. C'est pour ça. Bon, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on rejoint Weirdo vers le sniper ou est-ce qu'on finit l'entourlooper? Ça coupe, hein. Tu n'entends plus rien. Allô, allô? Ouais, on t'a perdu. Ah, vous m'entendez pas, d'accord. Pareil, tout à l'heure, je disais des choses, elle ne me répondait pas, j'aimais bien. Oh là, bah Discord nous fait des mouises. Moi, c'est différent, c'est qu'on n'est pas très pauvre, mais c'est... Bon. Ah, vous préférez quoi? Qu'on aille à gauche l'entourlooper ou qu'on aille plutôt sniper vers Weirdo? Comment ça se passe? Weirdo, en fait, a dépassé l'entourlooper, donc on va plutôt aller vers le sniper de Weirdo. L'araignée. Bah lui il va sur l'araignée lui. Oh mince. Ah bah tu passes sans moi. J'ai pas fait gaffe. Le problème c'est que je peux pas voir quand ça marche pas. Bonne soirée à toi. C'est qui dit bonne soirée? C'est Ecto qui s'en va ou c'est Staro qui passe en coup de vent? Je suis un peu votre chat. Moi je pense. Ah, ciao, à bientôt. Ciao. Je disais que sur les cases pour interrogation, des fois on peut trouver des mendiants qui nous volent 6000 dollars et qui nous les revoient jamais. Ça sent le vécu. Ouais. C'était avec toi, papa, ça, je crois. Le fameux mendiant qui nous a pris tout notre pognon, on l'a jamais revu. Peut-être. Alors, on se rapproche. Je me souviens pas. 6000, ça me paraît beaucoup, non? Peut-être pas 6000, mais... Peut-être 6, somme. 6 ou 60. 60, peut-être. Il fallait faire de la générosité et dit que je te rendrai peut-être. Ouais. Mais jamais. Oui, il y a du troll hein, dans ce... Oh merde, j'ai pas fait ça. Ah, une petite recherche de parchemin, bien ça. On voit tous les spots de combat, d'accord. Moi, je peux aller... Qu'est-ce qui crie? C'est la mouette au bateau ou c'est l'araignée qui queen? C'est la mouette au bateau. Ah, je peux... Bah, je peux engager personne, donc je vais avancer. Hein. Hop, voilà. Ah, c'est tout? T'es bloqué? Ouais, je peux pas aller plus loin. Tu peux engager l'araignée au-dessus? Oui, on sera tous dedans. Ouais. Est-ce que Wado nous a entendu avec Discord? C'est la question. Non, pas du tout. L'araignée au-dessus, tu peux y aller. Engager l'araignée au-dessus, ouais. Allez. Ah, quelle animation de folie! Sa grande tente. Ça a pas marché. On va tenter l'embuscade. Oh, les petites bêtes! Alors. Ouais, d'accord. Alors, pourquoi tes camons est complètement en bas? Je ne sais pas. Le placement serait-il aléatoire? Il faut croire. Vous avez une préférence dans les araignées? Je pense que celle de droite, moi, c'est la pire. Elles sont identiques. Oui, c'est de droite. Toujours les araignées de droite. Voilà. Je vais à OE, donc. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Mais, enfin! Je crois qu'elles ont un petit PV, je vais peut-être essayer de tataner quand même. C'est mort. Allez, vas-y, AOE. Fais-nous plaisir, une explosion de zone! Bonne idée. Oui. Là que beaucoup, mais. Ça se concentre! Ouais. Bon, ça fait 15 points de dégâts au final, c'est quand même pas mal. Je suis pris dans la toile. La magie a l'air forte hein, dans celui-ci. J'ai l'impression. Alors que c'était très faible dans le premier. Ouais. Bon allez. Tu bourrines, hein, je pense. Ouais, bah c'est ce que je vais essayer de faire. Attends. Elles ont surpris. Essaye de plutôt les côtés, ouais, voilà. Essayez de les garder paquets si jamais on peut à ouais, tu vois.
D'accord, super. Mais non, j'ai cliqué dessus, ça a lancé le truc. En plus, mais non, je voulais. J'ai cliqué dessus, ça l'a engagé direct. De toute façon, là-haut, fait des dégâts sur toutes les cases, d'après ce que j'ai vu. Donc, non, mais non c'est pas grave, Weirdo. Voilà. Il n'en reste plus qu'une petite. Surtout, pas celle de droite. Et qui c'est qui tue, celle de droite. Ouais, ça mérite, hein. Vous serez fort sur la place publique. Hey, Papal, one shot. Allez. C'est moi? Oui. J'ai pas vu que c'était moi. J'espère qu'on aura un coffre, moi. Pas de temps. 16 pièces d'or, une herbe de l'ermite en voyage pour vous rendre indétectable en combat. Ça, c'est bien. J'ai pas les herbes. Donnez à l'herboriste, ça, ouais. Et pourtant, tu es obligé de les aimer. Il y a des pipes dans le jeu pour soigner tout, alors ça vaut le coup. Au rang, 3 points. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ça, moi, je. Ouais, ça, j'aime bien, ça, moi. Pour la magie, évidemment. Pour pouvoir faire des AOE, c'est bien, ça. J'ai les faire utiliser. Barbe Dieu, j'ai fait. Herboriste. Ouais. Ouais. Donc c'est pas Weirdo. Ouais. Allez hop, utiliser. Ah, Alia. Il met de la corruption, il donne une unité temporaire. Par exemple, la toile d'araignée, peut-être j'aurais pu. Ouais, c'est plus pour vous, ça, du coup. Pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il élimine la corruption. Coucou Saphira, ça va bien. Salut Miss. Salut Saphira. Et t'as vu, on est en multi, on est à 4. C'est incroyable, ça marche. Ouais. C'est un peu poussif, hein, mais bientôt ça va être. Oui, voilà. Il y a un point d'interrogation doré qui me trigger. Oh, oui, oui. Ah oui, oui, il est assez gros, dis donc, t'as raison. On fait d'abord le gobelin sniper et puis. La on pluie va aller tombe. Comme ça, ça pourrait être une malédiction, je m'en fous, je le prends quand même. Le sniper a disparu. Oui, parce qu'il oui, fait nuit. Évidemment, il en avait marre de nous attendre, peut-être. Qu'est-ce qu'il me dit tavernier? Oh non, il manquait un point de. Ah, c'est bien, c'est les monuments, c'est pour avoir. Fais un clic droit, Tech. Tu peux prendre un point de concentration pour te redonner un point d'avant pour avancer. Vous vous trouvez devant un monument d'Hérodé à l'effigie du grand guerrier de Pharaon, ok. Alors, il fait quoi lui? Concentration. Ah mince. Ouais. Ok. Pour chacun de notre en fait. Ouais voilà. Bon. La femme, mais c'est bien. J'ai plus de quasiment. Tout le monde a eu un point ou quoi? Non tu. Non, fait ça re-remplit ta barre de concentration. Or t'as claqué un point de concentration pour y aller. T'avais c'est moche. T'étais full donc. C'est moche. Ah papa le bâtard, il a perdu un point de mouvement avec la pluie. J'ai pas fait. Ah t'as trop mangé, tu as tellement bien mangé que tu as dormi sa fille. Bah ça fait ça à tout le monde le dimanche. Moi, on m'a fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai mangé une carbonade. Pour ceux qui connaissent. Ah, tout le monde se concentre sur la pierre, d'accord. Non. C'est moi, j'ai une faculté de reconcentration. Ah, qui aura le point d'interrogation? Ouais, tu peux, tu peux peut-être l'engager, la couleuvre. Je regarde. Ah, je la voyais pas, dis donc. Ouais, tout le monde y est, ouais. Après les araignées, les serpents. Tu l'embusques ou tu y vas carrément? Oh, j'y vais carrément. Là, oui, de toute façon. Là, elle est toute seule en plus. Là, l'herboriste, pour le coup, va être très utile sur la guérison. Donc... Il n'a pas de résistance physique. Bon, allez, vas-y. Il va être temps que j'ai trouvé une nouvelle arme. Ce sera pour le prochain épisode de toute façon, puisque ce sera le dernier combat, je pense. On passe aux épisodes de 45 minutes, en gros. Voilà, c'est juste de l'XP. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive au moins au point d'interrogation pour finir cet épisode comme il faut. Ouais. Puis après, ça, il te reste des points aux Zev. Vas-y, rapproche-toi. Du point là, de d'interrogation. Ah non, je suis à zéro, moi. Je peux pas. Ah bah alors, passe ton tour. Ouais. Il y a un donjon qui est sorti de terre, là, derrière. Oui, la maison du rituel, t'as vu? On l'avait pas tout à l'heure, celle-là. T'as non. Un... Elle est où? À gauche d'où on vient. Ah ouais. On peut monter vers le gobelin ou putain. Non mais ouais, Weirdo se casse en bateau direct. Non. Et le point d'interrogation. Oh mais tout seul, on va le regarder mourir. Allez. Allez, on te regarde mourir. Moi je suis curieux. Oui. Ah bravo. Bravo. Allez.
Allez. C'est honteux. Je défonce, moi je m'en fous. Ouais. Ça va, il y a du point. Ah, j'y crois. Voilà. Ça va bien se passer. Oh là là, attends. Dis pas ça, il peut mourir. Il peut mourir. Non. Mais voilà. T'as réussi. En plus, tu ramasses tout. En plus, les bonbons et l'or. C'est bon. Eh ben, GG pour Weirdo qui prend de l'XP en douce. Esquive permanente. Bah, trop fort. Oh là là. Tu vous avendras, vous moquez de moi. Oui, on est moqueur. Moi, je peux le point d'interrogation. On peut aller au point d'interrogation pour finir cet épisode et après on redescend. Oui. À la maison du Rietveld. Pour le prochain, oui. Oui. Est-ce que c'est à moi? Ah, c'est à moi. C'est quoi alors? Un trésor hanté, un groupe d'esprits redoutables s'agglutine. Oh. Attention, loin, c'est un test. Attends, il faut que tu regardes tes stats. Tu vois, c'est un test de. C'est quoi? C'est pas de la chance? Non, c'est de la manipulation, il me semble. Mais j'ai pas ça, moi. Quand, regarde sous ta barre de. Ah oui, là, oui. En plein milieu. 71. Tu as toutes tes caractéristiques. Ah, j'ai pas mal, hein, 71, c'est quand même bien. 71, c'est plutôt bien, oui. Ouais. Je peux claquer de la concentration. Aussi. J'obtiens un objet. Commun d'érudit. Gant d'érudit. Ah, je l'ai vu bien, moi, là. Tiens, voilà, d'un coup, ça y est. ça critique, mais des fois, il faut donc juste prendre et je te le file après. Hein. Voilà, c'est ça. C'est encore à moi, donc je vais dans l'inventaire. Les gants d'érudit. Je clique dans dessus. Trop loin, je peux pas filer. J'arrive. Attends, comment je ferme ça? Voilà, il me reste plus de points de mouvement. Ah si, attends, là je peux. Gant d'érudit, Papa Albator. Voilà, oh, c'est fait. Et fin du tour. Tu me sauces. Eh bien, on va rester sur la sauce à Papal et on vous dit fin d'épisode. On se retrouve juste après. Merci à vous. À tout de suite. Salut. Salut.